présence massive et distinguée, mesdames et messieurs, témoigne de l'intérêt que vous accordez à l'environnement et à l'appel des plus hautes autorités à la reforestation de notre cher pays, le Burkina Faso. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce magnifique et convivial écosystème, j'ai nommé le bosquet de la Sonabelle. Vous êtes chez vous pour communier avec la nature en ajoutant l'art à la forêt. Nous organisons chaque année des reboisements à la faveur de la Journée nationale de l'Alpe. Alors, pour Zatouli, c'est la troisième édition, donc édition de la maturité. Et on va dire que Zatouli s'est consolidé. Maintenant, nous prévoyons en tout cas d'aller sur d'autres sites après pour le reboisement. Pour nous, c'est premièrement un devoir de restitution de ce que nous contribuons à prélever, mais également en plus de cette restitution, nous pensons qu'il faut apporter un plus. C'est pour cela que lorsque nous devons définir les quantités, on ne se contente pas de remettre sous terre ce que nous avons prélevé, mais on fait plus pour nous assurer que nous allons apporter une contribution pour les générations futures. De par nos activités, vous savez bien qu'on déboise beaucoup et parallèlement, on contribue à reboiser. Donc l'avènement de la pérenne, c'est une très belle initiative qui permet à la Sonabelle de remplacer les arbres coupés et de reverdir notre pays. Planter des arbres, c'est s'assurer que les générations futures recevront une vie. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Vous voyez toute la mobilisation qui est là, planter 1000 et quelques arbres. C'est vraiment avoir une pensée pieuse, une pensée de paix pour la génération à venir. Et c'est une très belle initiative de la Sonabelle. Et je suis encore très ravie de savoir que après Zatouli, nous allons dupliquer ces bosquets dans d'autres parties du Burkina Faso. Pour aujourd'hui est à hauteur de 1091 arbres. Et donc pour les reboisements que nous allons aussi pouvoir réaliser d'ici le mois d'octobre, on va encore en tout cas apporter un certain nombre de... mettre en terre un certain nombre de plans pour toujours contribuer à l'atteinte de cet objectif qui a été fixé par le gouvernement. Voilà, planter utile. Entretenir, c'est très important. Voilà. Avec les bouleversements climatiques qui s'annoncent, je pense qu'il est grand temps que chacun s'y mette. À chaque fois que nous allons poser un acte, assurons-nous que ce que nous faisons ne fait pas du tort à quelqu'un. Bien au contraire.